Go, go, Power Ranger! Kokoriko! Le village de Kokoriko, il porte un autre nom dans les autres langues? Non, je crois qu'en japonais, c'est Kokoriko. Et avec mais des en... K. Avec des K! Parce que les japonais aiment pas les C. Ah, bah. Parce que j'avais vu les différences avec les poulets et les coqs, là. Et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en anglais, ils entendent que le coq dit kikiriki. Oui, bon, en même temps, le coq, il fait... Alors bon, tu mets les syllabes que tu veux et ça marche, hein. Tu peux même lui dire kakakaka et ça marche, hein. Oh, ça sonne assez spécial avec le son qu'il donne. Tu sais, ça donne plus l'impression d'un O ou d'un A, mais pas du tout un I. Je comprends pas de quoi ils parlent, les mecs, mais ok. De l'onomatopée du coq quand il chante. Ah, tu sais, en fais chier au matin. En français, c'est cocorico, mais en anglais, effectivement, c'est kikiriki. Non? Non? Non. Noob Shuka. Ah bon. En plus, tu t'es fail sur ce jump, la honte! Pourquoi je me suis fail sur le jump? T'aurais pu choper l'échelle tout de suite, mais c'est quoi ce mauvais speedrunner? Il fallait que je récupère le poulet! Il est en oui, bas. Mais il fallait sauter sur l'échelle direct, c'était mieux! Ok. Moi, je comprends rien. Bah, okay. Sauter d'une rambarde sur une échelle, y a pas grand chose à comprendre. Ah, c'est une crête, quoi. J'avoue. Link, vas-y, moi, j'avoue. So cool! Les jeux auxquels je joue même plus depuis le 2. Ah putain, depuis le 2, moi non plus. Moi, depuis le Void, j'ai jamais joué. Bon, bah on fera un let's play du premier et du deuxième. Oh là, j'aime pas. Doucement. Oh putain, avec les couleurs sont dégueulasses. Moi, j'avoue que c'est assez laid là pour le coup. On dirait que t'as vomi sur l'écran. C'est un petit peu les couleurs quoi. Bah, c'est assez laid, y'a même pas de vache. Non, casse-toi. Tu vois le trou là? Il y a une vache dehors. Et paf! Non, et plouf. Non, mais sans déconner, je pense qu'il va falloir s'arrêter là. Il va bon, falloir alors, mettre les sous lui, la porte. Quoi. Ah ouais, bon, certes. Vous avez entendu cette histoire? Le poulet qui est tombé dans un puits et il y a un mec qui a plongé pour aller le sauver, ça a pas marché, et du coup ses deux sœurs ont essayé de plonger pour aller chercher le frère, et du coup le voisin est allé chercher est plongé pour aller chercher tout le monde et finalement tout le monde est mort, sauf le poulet. C'est drôle mais... Putain... On devrait se sentir mal de rire à ça. Non, on ira en enfer, mais c'est pas grave. Mais pour toutes les conneries qu'on sort dans ces épisodes, oui, on ira en enfer. Hein. Ouais, c'est pas faux. Il y a une place spécialement prévue pour nous. Quand on arrivera, on aura des places VIP pour les gaming, tu sais. On aura des poulets pour le repas, mais ils seront pas cuits. Oh mon dieu. Oh. Bon, ouais, en enfer, dire... ça doit pas être trop dur de faire cuire quelque chose. Hein. Pas faux. Ouais, vu comme ça. Bah enfin on représente l'enfer toujours avec des flammes et tout le bordel, mais ça se trouve en fait c'est un enfer de glace. Pourquoi pas. Oh puis c'est bon, le froid ça brûle, fais pas chier. Là j'ai fail doc, mais c'est parce que j'avais oublié que j'allais chercher ce poulet déjà. Non mais j'ai abandonné, hein, c'est bon. Mais en fait qu'est-ce qui se passe là, parce que depuis tout à l'heure tu violes des poules, mais concrètement tu fais quoi? Il doit aller mettre les poulets dans un enclos pour avoir le... Comment ça s'appelle déjà ce truc? Un pot. Voilà un pot. Une bouteille. Un chocolat frit. Un bocal. À quoi ça ressemble du chocolat frit? Bah... Tu prends la tablette de chocolat dans le magasin et tu te barres en courant. Putain. Ok. C'est pas les ricains qui mangent des barres de Mars frites? Mais comment tu fais ça? Le chocolat est fond. Non, tu... Tu mets de la panure dessus. Ouais, c'est ça, tu le pannes. Oh, parce que... Fuck. Je laisse tomber, je comprends pas. De une allergie aux plumes. Oui. Sans déconner, ça existe? Ah bah oui, ça existe, oui, ouais, non, moi je suis con. Oui, c'est pas nouveau, ça. Moi, j'aime bien le petit effet du volcan qui passe par-dessus le pot. Problème de superposition. Ouais. Ça c'est Project 64.
Putain, pendant 2 secondes, j'ai cru que la vidéo, elle avait planté. Non, ça c'est quand tu ouvres le menu dans le jeu. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un lag assez gros. Comme le mec qui est en train de courir, d'ailleurs, il est assez gros. Ouais. Bon. Tu l'as pas équipé, le bouclier ilien? Je suis en train de voir. Ça sert à rien, tu pourras pas le prendre dans ta main. Ah bon? Tu le verras à quoi il sert. Ok. Là, t'as fait un fail, on est d'accord. Non, Non, c'est parce que je cherche un truc qui se trouve pas dans cet espace-temps. Ok. C'était sale, je sais pas qui c'était, mais c'était sale, les mecs. Chouka. Ah. C'est pas moi, c'était Doc, il clapait des mains. Ah, d'accord. Je suis celui-là. Non, en fait, c'était moi. Genre... C'est l'écriture ouais, de la princesse Zelda. Voyons voir. C'est ce pro chevalier. Ce pro chevalier se nomme Link. Putain, mais c'est pas preux, ça, sans déconner, les mecs. Mais c'est creux. Ah, c'est vachement bas, quoi, quand même. Ouais. Mais de quoi qui est bas, j'ai pas compris. Oh, laisse tomber. Ok. Alors j'aime bien, ce mec il se fout de ta gueule et il te demande un service après. Et il arrive à ouvrir le portail avec la force de son esprit, hein. Mais non, il y a un interrupteur au sol et il appuie avec sa grosse lance. D'accord, sa grosse lance qui le laisse traîner par terre, ouais. Du coup, je reparlais d'un truc avec ma mère là quand j'étais petit. What elle the me fuck? Parlait que quand j'étais petit, j'avais un canard, à ce qui paraît qu'on l'avait appelé Psycho quoi. Dans ma tête, je sais pas comment ça s'est passé. Je crois que j'étais devenu fou pendant quelques secondes parce que je m'en souvenais pas. Puis au final, si. Je me suis dit, ah, ça m'embouche un coin. 3615 My Life avec un jeu de mots de merde. Ouais, j'avoue. Putain, vous faites chier, les mecs. Puis en plus, on voit du coup que ton addiction au Pokémon, elle date pas d'aujourd'hui, hein. T'es con depuis toujours, en fait. Non, pote, c'est pas vraiment une addiction au Pokémon. Mes hamsters s'appelaient Amtaro et Amidou. Ah, bon, bah ça va. Enfin, en même temps, ouais, les hamsters, tu t'aurais pu les appeler quoi? Pikachu et... Parce que ça fait longtemps, donc dans la première génération, il y aurait eu... Quoi? Oui, bah la première, c'était à la troisième. Donc j'aurais Pikachu. Est-ce que j'aurais pu voir d'autre? Pichu. Zigzagoon. J'ai hamster, pas un raton. C'est la même chose. Non. Qui? Zigzaton. Ah oui, d'accord. Oui, bah attends, Zigzaton c'est un raton laveur, c'est pas un hamster. C'est ce que je lui dis, il dit que c'est pareil. Vas-y, c'est un hamster, j'en suis sûr. Oui, d'accord. Ouais, c'est un hamster OGM, quoi. Oui. Bon, ok. Il monte tellement, la chouka. Non, donc le pooling. Le pooling gravit la montagne. Ok. Ça a l'air bien. Ça a l'air passionnant. Quelle randonnée pédestre. Oula. En même temps, le début de ce jeu est vraiment ennuyant, quoi. Il m'a même pas touché. Bah en même temps, il allait pas te jeter la pierre. Oh, arrête. Pour ceux qui n'ont pas compris la blague, les gorons sont des pierres. Oui, bah moi, même avec la qualité de merde et en n'ayant jamais joué au jeu, un truc qui roule dans une montagne, j'ai tout de suite associé que c'était de la pierre. Les pierres à feu avec leur bagnole. What the fuck? Ils roulent. Je connais pas... Mais si, je connais les pierres à feu et je sais qu'ils ont une voiture avec des pierres en forme de roues. Enfin, des roues en forme de pierre. Enfin, des... Ah, oh, ta gueule. Ok. Oh, Berceuse de Zelda. C'est ce qu'il va falloir faire dans tout le reste du jeu. D'accord. Si Amusique qu'on utilise partout, c'est cette putain de chanson. Comment tu sais quel morceau tu dois utiliser à tel ou tel endroit, par exemple? Parce que tu dois l'utiliser partout. Celle-là que tu utilises là. C'est écrit au sol, ouais, jouer le chant de la famille royale, donc c'est-à-dire la berceuse de Zelda. Ouais. Du coup, du soleil, tu la joues quand il y a des zombies. Ouais.
Du coup, je me suis demandé comment la porte, elle sait que t'as joué la bonne mélodie. Il y a un capteur, tu crois? Ouais, science, un capteur sonique. Science bitch, on va l'appeler comme ça la série. Ils sont à l'âge de pierre, mais ils ont déjà la meilleure technologie du monde. En fait, ce que tu fais, c'est pas des sciences, c'est de la chimie, donc c'est chemistry, bitch. Bah en fait, si j'élargis le truc, j'avais pensé à l'appeler science bitch. Non, putain, Doc. Non, bah j'avais pensé à l'appeler science bitch, parce que je ferais pas que de la chimie. Ok. Enfin, après, à voir, quoi. Après, à voir si les gens sont intéressés, mais je m'en renseignerai. Tu dis, faut que je me réadapte à la manette, Doc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il y a eu un zoom sur ses yeux? Là, on aurait dit qu'il était possédé par le démon, tu sais. Genre, ah, je vais te manger, ah! Qu'est-ce qu'il fout, là? Il danse? Saga Afrika. J'aurais dû remplacer la musique par Waka Waka. Chose du genre. On dirait qu'il est défoncé au LSD, tu sais. Ça, c'est la chanson de Saria. Mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il s'enflamme comme ça? Il a des hémorroïdes? Bah, perso, ça me ferait mal au cul. Hein. Oui, non, mais oui. Ça ferait mal au cul à tout le monde. Mon dieu, qu'est-ce que c'est chelou quand même ce jeu, hein. Ouais, il est un petit peu vieux quand même, hein. Ouais, c'est pas faux. Le rubis Goron. C'est pas un rubis, c'est un rubis. Ah, ouais, c'est un rubis. Ok, elle sert à quoi cette pierre? Faire des trucs et des machins. Pour qu'il la mange. D'accord, merci les mecs, c'était très utile. Non, essentiellement, attends, là, faut la manger. Notre quête actuelle, c'est d'aller chercher les trois pierres philosophales. Pardon, les trois pierres ancestrales. Pour des trucs. Et des machins. Ouais, ok, l'histoire a l'air d'être vachement développée et t'as l'air de la connaître. Très longtemps en fait, très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Oh wait. Ouais, rappelle-moi quand c'est que tu la recordes ça. Hier soir. Ah oui, la prochaine fois que je le recorde, il faudra que je modifie ça. En gros, sur la version US, par défaut, il faut que tu retiennes le bouton Z pour sélectionner quelque chose. Ici, il est sur fixe, donc tu fais juste appuyer une fois, et voilà quoi. Et ça lock-on. C'est super chiant. Je suis pas bien. Ok. Ah la Shuka, qu'est-ce qui fait le bien? Pardon, j'en avais marre après trois fois. Je vois bien Shuka derrière sa télé. Putain tourne, de bâton tourne, enflammé. Tourne, tout petit pot. J'ai pas compris pourquoi est-ce que Link il a tourné comme un con. Hein. Parce que c'est Link. Parce que quoi qu'il fasse, il le fait comme un con. Ok. Vu comme ça, Sylvain, ouais, t'as raison. Ouais, un pot qui tourne. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il tourne, ouais. Bah, on a du pot de voir ça, hein. Moi, j'avoue. Pas tous les pots qu'on veut voir un jour tourner. Tant que c'est que des pots qu'on voit tourner. One guy, one jar. Oh, Dieu. Ça, c'est Silver l'année prochaine. De quoi? J'avoue, Sylv, fais-nous une vidéo de ça, s'il te plaît. Non, meurs. Si. Non. On va mettre ça sur la chaîne, on va faire des millions de vues, on va faire masse thunes, on va pouvoir aller à Vegas. Je vais surtout pouvoir me payer les frais d'hôpitaux si je fais ça. Pas faux. J'ai jamais compris non plus le délire des plantes qui font pousser des bombes. Bah c'est explosif. C'est de la bombe. Non mais les mecs, arrêtez. je demande une explication, vous me fournissez des réponses de merde. Attends que le panneau explose,
Ok. Seems legit. Ah, au moins avec ça, les plantes, elles pètent la forme. Arrête, je te dis. Sequence breaking. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Bah j'ai récupéré ce quart de cœur alors qu'on peut le récupérer normalement que quand on est adulte. Ah bon? Ouais. Ouais. Ok. Pourquoi faut y aller comment normalement? C'est la fin de l'épisode. Ok, ciao. À la prochaine.